Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Green Hell, j'espère que le dernier vous a plu. On se retrouve sur le menu principal parce que, en général, quand on se retrouve sur le menu principal, c'est que je dois vous parler. Alors, je dois vous parler parce qu'il s'est passé quelques petites choses en off, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout est sauvegardé et je sais vraiment pas comment j'ai géré. C'est pour ça qu'il faut juste qu'on discute une petite minute. Avant toute chose, sachez que je tourne cet épisode le lendemain où j'ai tourné donc le dernier épisode, donc je ne connais pas vos retours, j'ai pas vu vos commentaires encore. Du coup, voilà, comme ça vous savez, énormément de choses se sont passées dans le dernier épisode, donc on s'est quitté après avoir bu l'ayahuasca. On a appris énormément de choses et c'est assez incroyable, faudra qu'on en discute également. Vous avez peut-être émis en commentaire vos hypothèses. Moi j'ai la mienne. Donc ce qui s'est passé, c'est que on était donc, je vais vous montrer après sur la map où c'est qu'on était et le chemin que j'ai fait. Mais globalement, j'étais dans les marécages et j'avais aucun point de sauvegarde. Du coup, j'étais un peu dans le mal quand je vous ai laissé dans le dernier épisode. C'est-à-dire que j'étais au beau milieu de nulle part et je ne pouvais pas sauvegarder en fait. On peut pas sauvegarder. Du coup, j'ai voulu me créer un campement. J'avais tout ce qu'il fallait vraiment. Il me manquait juste genre 5 ou 4 feuilles de palmier. D'accord ? Et ça, y avait pas. Et en fait, c'est des petites îles. Et en fait, tu peux pas aller d'île en île avec des feuilles de palmier dans la main parce que ça coule dans l'eau. Du coup, je me suis fait avoir. Également, je me suis fait attaquer par des... Alors, je sais pas ce que c'était. Donc, j'ai vite fui et je suis pas mort. Je sais pas comment j'ai fait encore une fois. Mais il y avait des sortes de... Je pense que c'était des crocodiles dans les marécages. C'est des crocodiles. Je pense que c'était ça. Et je me suis fait la peur de ma vie. Genre, il y a la musique qui a commencé à se mettre en mode... Bah, comme quand on croise un jaguar, tu sais, il y a la petite musique d'ambiance. J'entendais les grognements, le mec il me... Enfin le mec, je pense on va dire que c'est un crocodile, il me poursuivait dans l'eau, ensuite sur l'île je sais pas ce qui se passait, je me suis barré, j'ai réussi. Du coup je me suis dit bon allez, je vais essayer de faire le chemin du retour. J'ai réussi à retrouver le chemin du retour donc pour retourner à l'aérodrome, donc le petit aéroport. Ça s'est bien passé, donc le crocodile hein, que je suppose être ne m'a pas suivi, j'ai eu de la chance, en tout cas dans les marécages. Je continue mon chemin, je monte, j'escalade, vous savez donc les trucs qu'il faut escalader. Et je me retrouve à entendre des indigènes sur mon chemin. Voilà. Il y avait des indigènes sur mon chemin. Et encore une fois, franchement, j'ai cru que j'allais abandonner. Mais comme dit, j'avais rien à sauvegarder. Donc j'étais trop dans le mal si je pouvais pas sauvegarder. Du coup, j'ai tracé mon chemin. J'ai essayé d'être discret. Et j'ai réussi à échapper aux indigènes. Ils m'ont même pas vu. Et j'ai réussi à sauvegarder dans l'aérodrome. Donc on va pouvoir lancer la partie. Vraiment, voilà, jour 26, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'ai survécu à, je pense, un crocodile ou un alligator, je sais pas ce que c'est. J'ai réussi à échapper également à des indigènes. Et donc, j'ai pu sauvegarder, les amis. C'est parti, pouce bleu, let's go. Et voilà, les amis, donc... Nous sommes dans le petit cabanon où j'ai pu sauvegarder donc dans l'aéroport, tout va bien, c'est incroyable. Donc sur moi, je rappelle, j'ai donc j'ai des conserves vides, café instantané, des herbes inconnues. J'ai récupéré au passage ce fruit inconnu, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas voulu le goûter parce que je voulais pas mourir comme je pouvais pas sauvegarder, d'ailleurs je vais le manger. Et c'est très très bon. Ok, donc dès qu'on croisera ces fleurs, on pourra les manger, c'est super bon. Pareil, les fruits inconnus, je vais les manger. Alors, maintenant que j'ai pris du recul, j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup vous donner mon avis sur ce que j'ai cru comprendre du scénario. D'accord? Donc de comment, pourquoi on est là, etc. Donc d'après ce que j'ai compris, vous allez m'insulter si vous pensez pas pareil que moi, mais donc d'après les ayahuasca, les hallucinations qu'on a eues, etc., etc., je pense que... Donc à la base, donc nous on est parti faire des recherches, déjà c'est pas la première fois qu'on vient ici à la base, hein, qu'on soit bien d'accord, d'ailleurs même à la tour radio on l'a compris, on n'est pas Jake Higgins, c'est mon nom, on n'est pas venu ici la première fois, d'accord? Enfin on est venu plusieurs fois ici. Et je peux récupérer à l'infini voilà, des cafés instantanés, vas-y si je... Alors attendez, je vais consommer un café instantané, voir si ça me redonne mon énergie là, sans dormir, attendez. C'est où? C'est là? Ah non, je peux juste détruire. Ah en fait c'est pour... Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Bon bref, du coup en fait... Si on est venu ici, c'était pour étudier la faune et la flore. Et en gros, on aurait trouvé du coup un remède qui permettrait de guérir genre tout ce qui est les maladies de qu'on connaît aujourd'hui quoi. Genre les maladies genre le sida, le cancer, tous ces trucs dramatiques, etc. Et on aurait trouvé un remède ici. Genre en fait, avec les plantes et tout, les indigènes auraient trouvé un remède incroyable. Du coup, on est venu ici pour un petit peu voir tout ce qui serait possible de faire. Ensuite, on l'a ramené dans nos pays occidentaux. Ouais, j'entendais des bruits, mais c'est les animaux autour. Je pense qu'on est en zone safe ici. On les a ramenés dans nos pays occidentaux, d'accord? On a même écrit un livre, etc., machin, mais bref. Et du coup, les entreprises là, au Mulucorp et tout, ils l'ont introduit et ils l'ont commercialisé. Non, ils ont déjà donné à des patients directement sans avoir eu les avis et les tests nécessaires. Genre, vraiment interdit, voilà. Et du coup, ça fait peur, il y a des bruits encore une fois. Et du coup, il y a eu des nouveaux virus qui se sont créés à cause de ça. Genre, en gros, les effets secondaires. Et du coup, on est ici
pour trouver le remède au nouveau virus qui a été créé par le remède. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, à peu près. En gros, c'est... Je formule peut-être très très mal, mais en gros, c'est à peu près ça, je pense. En tout cas, on comprendra, je pense, assez rapidement. Je vais dormir. Je vais dormir, je vais me reposer, comme ça il fera jour et moi je serai très très bien. Hop, 5h. Donc les amis, je vous montre juste sur la map le trajet que j'ai fait donc pour vous réexpliquer. Donc c'est pas ici, c'est ici. Donc on était ici, on a bu l'ayahuasca là. Actuellement nous sommes ici, donc vous voyez que entre là et là c'est très très loin. Donc c'est ici qu'on sauvegarde, d'accord. Et donc moi j'étais là, j'étais perdu au beau milieu de nulle part. Du coup j'ai dû faire tout le trajet, remonter ici pour pouvoir venir ici et sauvegarder. Donc sachez les amis d'ailleurs que donc là il y avait donc un crocodile qui m'a poursuivi. Et c'est vers ici que j'ai croisé des indigènes. Normalement c'était pile entre les deux trucs que j'ai escaladé, c'était vraiment là. Ah oui voilà, c'était juste avant le truc sous l'eau là. Enfin bref, voilà, c'était incroyable, j'ai eu très très peur. Mais ça fait plaisir que tout s'est bien passé. Du coup là je rappelle les amis l'objectif, bah ça va être de trouver un remède. Trouver un moyen de fabriquer un remède même d'ailleurs. Donc je sais pas comment on va faire. Ce qui est sûr c'est que moi je suis revenu ici, c'était pour sauvegarder. Hein. Alors il y a plein de choses je pense qu'on peut... Regardez là, il y a quelque chose là-haut à voir. Il y a quelque chose à voir là-haut. Là ici il y a une indication... Bah vous voyez, le point A, c'est bon, on sait ce que c'est. Le point C1, on sait ce que c'est. Maintenant, il faudrait qu'on aille voir ici. Là, visiblement, il y a un point aussi, non? Ah non, c'est ça, c'est le A2. Oh. Non, je sais pas. Je sais pas ce que c'est que ça. En tout cas, il faudrait qu'on aille voir ça. Et là, il y a une sorte de truc gris, là, vous voyez. Enfin, j'arrive pas à comprendre et à voir ce que c'est. On dirait un trou. Bah, sachant que c'est le plus proche, on va aller là en premier. Puis après, on ira par là pour les prochains épisodes, je pense. On va aller par là-bas. Donc, direction nord. Vérifions juste qu'on est bien en 23-28 pour être sûr que... 23-28, ok. Donc attendez juste que j'interprète bien. 28 ouest, 23 sud. 23 ouest, 28 sud. Ça colle. Pour une fois ça colle. Parce que quand on était là, ça collait pas les coordonnées. Hein. Je suis désolé mais j'étais perdu ici. Hein. Donc on va aller direction nord. En 28 sud, très important. Direction nord, par là-bas. En 28 sud, non c'est en 28 ouest. Non, il y a un truc qui colle pas là. Il y a un truc qui colle pas. En 28 sud. Ouais, ça colle pas. Ça, c'est le sud, ça. Wow, les gars. Bon, bref. En gros, c'est écrit 28 sur ma montre en ouest. Faut qu'on reste sur le 28. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, let's go. Excusez-moi, je racle ma gorge. On va y aller. Alors, par contre, ma durabilité de ma lance, elle laisse à désirer quand même. Hein. Allez, 5% de solidité. Ah, coup dur, hein. Est-ce que j'ai encore des pierres? Non, j'ai même plus de pierres sur moi. Faudrait que je me refasse une lance, hein, parce qu'il va m'arriver des bricoles. Hein. Donc on va se refaire une lance dès qu'on pourra, les amis. On va déjà traverser et aller là-bas, donc direction nord, pour voir ce qui nous attend. Voilà. En vrai, ce qui serait bien, c'est qu'on reste ici, qu'on reste AFK, et qu'un avion vienne nous chercher, et puis voilà, terminé, fin de l'histoire. Moi, je m'en fous, je veux pas... Non, évidemment. En fait, du coup, c'est vraiment la merde dans les pays... occidentaux, de ce que j'ai compris, donc chez nous, hein, globalement, c'est vraiment la merde. Genre, les gens ils sont tous malades, ils ont tous des virus. Enfin, en gros, c'est l'apocalypse, hein. D'où le fait qu'il y en a qui sont venus se retrancher ici. Alors, on peut pas rentrer dans ce cabanon, enfin, si, mais il y avait rien dedans, je crois, je sais plus. On va suivre ce chemin, tranquillou pilou, et on va voir ce qui va se passer. L'avantage, encore une fois, c'est que si je meurs, je m'en fous un peu, parce que de toute façon, on a sauvegardé à 2 mètres de là. C'était pas ça que je voulais faire, je voulais récolter. Hop, ah, j'ai plus l'habitude de faire ça, hein. Ça, c'était les premiers trucs qu'on faisait. Et on va se prendre un grand bâton. Là, c'est des bâtons normaux. Champignons inconnus. Vas-y, je mange, hein, j'adore. Hein. Vas-y, bon, on va casser ça bah avec, écoutez, bah, la hache, hein, parce qu'on a une superbe hache. On va éviter de trop l'user non plus. Voilà. Ensuite, long bâton. Fabriqué. Et ensuite, je me rappelle même plus du craft de base, hein, c'est pour vous dire. Ils sont où les pierres? Elles sont où les pierres? Ah, elles sont là, pardon, pierres. Non. Bah, les gars. Je me suis fait calotte ou quoi? Ah, c'est avec des... avec des bâtons? D'accord. Torche de fortune, mais non, pas du... Les gars, ça y est, je ne sais même plus crafter. Ah, ça, c'est une hache de pierre. Mais les gars... Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez, mais non, mais il faut un long bâton. Il faut bien un long bâton pour faire une lance. Attendez. Ne paniquez pas, les amis. On va prendre notre temps, de toute façon. Ouais, non, mais il faut... Prends pas, lance fragile. Ah mais oui, non, mais quel tocard. Mais il faut faire une pierre affûtée. Oh là là, mais quel tocard. Bien sûr les amis, bien sûr, vous avez raison. Fabriquer, hop, et là normalement. Et là il me manque une corde. Voilà, lance de pierre, et eh ben alors, big up.
Voilà, et donc là je vais jeter celle-là qui reste 5%, et là on se retrouve avec 61%, c'est quand même plutôt bénef. Hein. Voilà, ça c'est fait, je vais récupérer les bâtons si on a de la place, ça fait plaisir en vrai. Hein. Autant rentabiliser, je vais détruire cette lance de pierre. Très clairement, ça sert à rien. Je vais récupérer un petit peu les bâtons là qui traînent. Champignons, on mange. Là, c'est un long bâton, on s'en fout. Ok. Attends, mais ça pop à l'infini ou quoi ça, c'est excellent. Ah, ça donne de l'énergie et tout. Mais c'est excellent. Même pas besoin de dormir. Allez, let's go. Ah, on peut pas passer. Ça commence bien, mais si on peut passer. Regardez, hop. Ah, j'ai l'impression qu'on peut pas passer. Ils ont mis des blocs invisibles, les salauds, j'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr. 28-21, ouais. 28-21, 28-21. Donc 21 ici, 28 là, on est là. Ah bah. Les gars, je comprends pas, je vois même pas le chemin. Y a même pas de chemin d'indiquer. Bon, visiblement on est bloqué. Bon, ouais. Visiblement on peut pas passer par là. Alors est-ce qu'il y aurait d'autres chemins? Telle est la question. Putain, il fait beau! Fait beau, fait plaisir! Écoutez, on va passer par là. On va longer, on va voir. Je doute. Après, il y a peut-être un truc pour escalader. Hein. Je rappelle que j'ai un pistolet à grappin maintenant. Donc si jamais. Juste. Waouh! J'ai failli me faire mordre par quelque chose, les gars. J'ai été très très chaud. J'ai été un monstre. Disons-le. Ouais, en vrai, je suis sûr on peut tomber sur un truc où on aurait besoin d'un pistolet à grappin. Ok. Vous les entendez? Il y a des indigènes. Alors, je rappelle que j'ai une armure en feuille, hein, si jamais, pour être un peu plus discret. Bon. Donc je suis définitivement entouré par des indigènes. Donc je suis même pas safe ici. Je suis même pas safe. Alors j'aimerais trop les voir. Pour voir où ils sont. Salut toi. Je m'en fous du serpent. Hein. Attends, je me suis fait attaquer mais... J'aimerais beaucoup les voir pour voir combien ils sont. Pour voir si je peux me les faire éventuellement. Attends, si je suis ce chemin là. Je suis jamais allé là. Hein. Ah, je crois que c'est de là que je viens mais... Ouais, c'est pas de là que je viens les gars. Salut toi. Attends, je vais prendre des bananes. Ah, j'ai pas de place. Fais chier. Bah go manger hein. T'imagines dans la vraie vie tu manges des bananes aussi vite comme ça, ça... Tu fais une crise de foie hein. Ah! Pardon, il m'a fait peur. Bon écoutez, c'est pas par là que je voulais aller à la base. Mais en vrai au moins je vais peut-être retourner à l'endroit où on avait besoin du pistolet à grappin, non? En vrai, ah oui on vient de là, on avait traversé ce truc. Oui on vient de là. Et là où je vais par contre, je sais pas où je vais. J'ai entendu un serpent. Hein. On va faire attention. Oh j'en ai marre des fourmis. Bon visiblement elles me font rien. Visiblement les fourmis sont gentilles. Vas-y redonne-moi de l'énergie toi. Ah, moi c'est pareil hein, quand je me promène dans la nature. Je mange des champignons, ça me redonne de l'énergie. What? Cul-de-sac. Mais c'est énorme. Il y a des cul-de-sac partout. Mais les gars. Et on fait comment dans ce jeu? Et les gaps. On fait comment dans ce jeu? Il y a des... Tu m'as fait peur, il y a des cul-de-sac partout. Bon. Là, y'a pas un truc à escalader? Non. Je comprends pas. 31-23. 31-23. 31 ici. 23 là, on est là. Ah! Bah c'est bien, au moins on retourne.
On va retourner vers là. Et là, on a besoin du pistolet à grappin à quelque part. Eh, hey, mais c'est pas là qu'on aurait besoin du pistolet à grappin? Parce que ça, on l'avait escaladé, c'est de là qu'on vient. On va y repasser là, les amis. Là, on est là, on va venir ici, on va prendre ça. On va longer ça, on va aller là. Les gars, c'est là qu'on a besoin du pistolet à grappin. Enfin, non, du truc qu'on. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais on avait récupéré un truc. Oui, si c'est ça, là, le machin là. Oh, mais bien sûr. Oula. Bien sûr. Eh, hey, je peux faire quoi avec la fourmilière? Ah mince, attends, parce qu'il m'avait proposé d'interagir, alors j'ai pas eu le temps de voir. Bah, let's go. Hein. Donc, on va retourner là, de là où on vient. Là, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. On avait. Ouais, je m'en rappelle. Bon, je me rappelle pas exactement du chemin. Mais dans tous les cas, c'est par là. En fait, il faut longer ces gros cailloux de toute façon, c'est pas compliqué. En vrai, ça va, hein. Je commence un peu à. Je sais pas, en vrai, ça me fait travailler la mémoire. Et je commence à me souvenir. Parce que là, je sais pertinemment que là où je vais, on va pouvoir descendre avec un grappin. Et ouais. Bah ouais, les gars, regardez. Ça va être là. Alors, beau gosse ou pas? Franchement, j'ai une bonne mémoire. Franchement, eh. J'espère que je vous impressionne. Bon, après, peut-être que vous aussi, vous en rappelez. Excellent. Ok. Donc là, ouais, il y avait la petite caverne. Ah, la petite caverne, il n'y avait rien. Donc là, on descend. J'ai juste vérifié que ça colle bien à la map, en fait, les dessins, mais normalement, oui. Là, si je regarde, 32-25. Donc 32 ici, même si ça colle pas pour moi, mais c'est pas grave. 25, c'est bien ça. On est là. Donc là, je vais longer ici, direction sud. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Ouais. Ouais. Allez. Let's go. Donc ouais, c'est bien ça. On va suivre le chemin. En fait, c'est ça, on va suivre le chemin. Et on va longer. Et ça devrait être plutôt pas mal. On va juste faire attention à pas louper l'endroit. Mais ouais, normalement, j'ai ce qu'il faut. Là par contre, ah, coup dur. Oh, c'est chiant. Oh ouais, c'est chiant. Hein. J'ai pas envie de me casser la figure, il faut que je descende. Ça, c'est relou. Ça, c'est bien relou. Ouais, putain, je m'en rappelle. Énorme. Bon. Par contre, niveau énergie, c'est pas ouf. Alors, est-ce qu'il faudrait pas qu'on retourne sur l'île au milieu? Ouais, non, la flemme. La flemme, ça sert à rien. Voilà, c'est ça, les fruits inconnus, ils sont trop bien. Hop, mange. Ah ouais. Par contre, ça donne pas d'énergie. Dommage. Quoi, il y en a pas d'autres? Ah si, il y en a encore. Eh ben voilà. En plus, ça donne à boire. Ça donne plein de choses. Énorme, regardez comme je suis bien là. Franchement, fait plaisir. Fait plaisir, fait plaisir. Là, on a encore des fruits. Allez, je vais les prendre si j'ai de la place. Comme ça, je les mangerai si j'en ai besoin. Putain, on est quand même en train de manger toute l'Amazonie à nous tout seuls. Hein. C'est excellent. Là, il y a de la moulinera, je reconnais. Je suis sûr que je l'avais déjà dit d'ailleurs en passant devant, c'est pour vous dire. Attention parce que ça va être par là. Hein. Faudrait pas que je foire. Faudrait pas que je foire l'endroit. C'est par là-bas. On va y être, les amis. Je suis assez fier de moi, je vais pas vous mentir. Je suis plutôt fier de moi. Là. Ça va être là, les gars. Les gars, est-ce que ça va être là? Non, pas encore. Bientôt, hein. Bientôt, les amis, hein. Oui! C'est là? Non. Par contre, ça, j'avais pas encore vu. Ça, j'avais jamais vu. Visiblement. Attendez, c'est bizarre, ça. 34, 29. Désolé, hein, faut que je vérifie, hein. Très important. 34, 29. Bah, j'y suis, là, les gars. Eh ben j'y suis, les gars, qu'est-ce que vous me faites? Attendez. C'est forcément... Non, bien sûr, de toute façon, ouais, bah c'est dans le coin. C'est dans le coin, je suis peut-être passé devant. J'ai peut-être mal vu, mais je vais continuer encore au cas où. C'est dans le coin, là il y a des blocs invisibles. C'est dommage par contre que c'est un peu mal optimisé à ce niveau-là. Ils ont mis des blocs invisibles un peu n'importe comment. Wow. C'est vrai, la cascade d'eau.
C'est beau, c'est vrai. Stylé. On vient de là, hein. Enfin, on était déjà là, visiblement. Je me rappelle plus, les gars. Si, on était déjà là. On était rentré dans une caverne, je crois. Ah non, je connais pas cet endroit, les gars. Non, c'est la première fois qu'on est là. Stylé. Mais non, on vient de là-haut. J'en sais rien. Ça ne me dit rien. Ça me dit rien du tout. Mais à mon avis, je suis passé devant. Par contre, je vais m'évanouir bientôt, si ça continue comme ça. Donc faudrait vraiment... Ouais, faudrait que je me repose, hein. Ça, ça donne pas d'énergie? Non. Bon, les gars, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un petit aller-retour sur la petite île qui est au milieu. Je pense que... ce sera le truc le plus safe. J'ai un jaguar devant moi. Non, c'est pas un jaguar. Ouais, non, pardon, excusez-moi. Tout va bien. Y a pas de jaguar ici, c'est bien. Donc voilà, on va aller à l'île du milieu, c'est juste là, on la voit. C'est safe, c'est cool. Y a un petit pont normalement. Alors évidemment, y en a pas là. C'est pas grave, c'est pas grave. On va y aller à la nage. Tout va très bien. Let's go. Attends, mais c'est bon, on peut y aller en marchant là. Attends, énorme. Allez. Ça fait plaisir. Plus il fait beau. Au moins, on va pouvoir se reposer. Et un petit peu réfléchir aussi parce que. C'est assez bizarre. Ok. Personne n'est passé par là. Hein. Oh, bah attendez, j'ai encore mes bols. Ok. Je parle pas trop, les amis. Au cas où. Hein. Bon, avant de dormir. Avant de dormir, se reposer. C'est par là-bas. Donc, sud. 35, 26. 35, 26. Rassurez-moi que le 26, c'est pas celui-là. Oui, c'est bien celui-là. 35. 26. Voilà, bah oui, celui-là, en fait. Hein. Donc là, faut que j'aille direction sud. Sud-est. Sud-est en 34-29. 34-29, ouais, c'est ça. Ah, il est quelque part par là, le machin. À mon avis, je suis passé à côté, j'ai pas fait attention. Donc faudra absolument voir. D'ailleurs, en commentaire, alors pas dans le dernier épisode, mais dans celui d'avant, vous m'avez dit qu'il y avait des notes là à lire, mais je les ai lues, hein, les amis. On les a lues ensemble. Hein. Oh ouais. Allez, on va se reposer. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il va faire nuit. Donc vous savez quoi, on va un petit peu tricher. Enfin, on va tricher. On va dormir un peu plus longtemps que prévu. Voilà. Ma santé va bien. Il y a personne qui vient me déranger. Ce serait juste con que quelqu'un vienne me déranger. Et on va redormir, les amis. On va redormir. Je pense pas que c'est quelque chose de bien à faire. Mais je le fais. Je le fais. Je suis un petit peu un fifou. Voilà, toute une nuit entière, là, c'est pas mal. Voilà. J'ai un petit peu soif. Et bah là, j'ai des bols. Voilà, je bois. Si je veux manger, bah je mange. Il y a des trucs encore dans les sacs, donc je vais en profiter, d'ailleurs. Ah bah voilà. On en profite. Et ben voilà, mange tout. Sachant que j'ai encore plein de trucs sur moi, hein, si jamais. Hein. Attends, la corde, je la prends. J'ai encore une canette, c'est impressionnant. Regardez, là, je suis full vie, les gars. Tu sais quoi, je vais le prendre. Non, j'ai même plus de place parce que j'en ai encore. Hein. J'en ai encore, bœuf séché. Non, j'ai pas de bœuf séché sur moi, mais je m'en fous, je mange. Allez. Voilà, bah regardez tout ce qu'il y a. Conserve vide, canette. Vas-y, je peux pas prendre. Si j'ai pris, ça je m'en fous. Voilà, et il me semble que j'avais encore des antidouleurs. J'ai pris, sachet de noix, je prends. J'ai pas de place. J'aurais bien aimé. Mais je. Attendez, je vais me débrouiller. Sachet de noix. Ah mince, ça prend trop de place. Ah bah si, j'ai réussi, les gars. Non, sachet de noix, il est là. Bah si, mais attendez. Ah non, je peux pas. Bah c'est pas grave, j'en ai donc déjà sur moi. Donc je vais le manger. Et on va y aller, les amis. Direction sud-est. Par là-bas. Let's go. Enfin, de là qu'on vient, quoi. Hein. Oh, regardez ce soleil levant là. On sait pas où il est. Allez. C'est parti. Par contre, du coup, je suis terrifié maintenant de des marécages là, comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des marécages, mais j'ai trop peur qu'il y ait un truc qui me court après. Ça va super vite, hein, un crocodile. Hein. Quand il veut t'attaquer. Alors, visiblement, je me fais un petit peu sessu. Ouais, là, ici. Tout ça pour ça, c'est bon. Bon, let's go. On va retourner face au mur.
En tout cas, je m'en rappelle, hein, ouais, on l'avait bien vu ce mur, hein, dans un dernier épisode, on avait vu ce truc et qu'il nous manquait quelque chose pour l'escalader. Donc, j'aimerais vraiment le retrouver. C'est quoi ça, des champignons? Ouais, ça, à mon avis, non, comme dit. Ça, par contre, les champignons bleus, j'ai absolument aucune envie. Ok, lui, j'ai de la chance. J'ai aucune envie de goûter les champignons bleus. Ah bah là on est de nouveau en face du machin là, qu'on avait vu avant. Peut-être que c'est là qu'il faut escalader, non? Non? Il me propose pas d'escalader. En vrai? Ah non, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Pourquoi il me propose pas? Bah on va revenir en arrière. J'ai peut-être pas tout vu. Enfin, j'ai peut-être mal vu. Faut bien regarder en hauteur. Ah, c'est possible, hein, que je suis passé à côté. Ah, sinon, on continuera de longer, on fera le tour. Hein. Non. Vas-y, je cours un peu. Il me propose rien. Là, y a rien à escalader. Là non plus. Putain, c'est impressionnant. Là, on va retourner là où on était avant. Des yep. Ah non mais là les gars, on retourne là où on était, hein. Là c'est de la convient, hein. Donc c'est pas bon. On a foiré un truc, je sais pas où. Donc ce qu'on va faire, je prends l'initiative, les amis. Je vais prendre l'initiative de longer tout le mur jusqu'au bout. Et on verra. On verra, on verra. Je vais continuer plus loin. On verra bien. Parce que j'en suis sûr. Hein. Je suis pas fou. Hein. On l'a vu, on le sait. À moins qu'il faut vraiment se rapprocher proche, mais il y a rien là. Après, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec le machin là qu'on a vu là. Là, ce truc là-bas, mais. Là, on pourrait escalader, gros. On est fort. Ouais, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça, mais. En fait, je suis sûr que ça, de toute façon, ça colle avec évidemment le marquage sur la map, hein, juste ici, hein, évidemment. Mais ouais, comment faire pour y aller? That is another question. Hein. Donc, du coup, je vais continuer de longer, les amis. Même si on va passer devant la cascade, je vais continuer. Parce qu'il doit bien y avoir un moyen, à moins là. Ah, mais les gars! Non, c'est pas là? Oh, j'y avais cru. Là? Oh, j'y avais cru! Oh, franchement, je me suis dit, ah, je suis peut-être pas allé assez loin. Bon. Non, mais ouais, du coup, non, là, comme dit, il y a des blocs invisibles, c'est dommage. Ok, donc les amis, on va faire ça. On va passer cette petite cascade. Très mignonne. Voilà. D'ailleurs, peut-être que, en fait. Mais pour moi, je suis déjà venu d'en haut, mais en fait, non, hein, c'est pas possible. Voilà, on va passer. Tranquille. Voilà, ça se trouve on peut aller derrière la cascade, je ne sais pas. On n'est pas là pour faire des expériences. Toi, tu me fais rien. Ah, c'est bon, il a peur de moi en fait. Voilà. Et là, on va monter. Par là. On devrait trouver bonheur. On devrait trouver bonheur. Donc peut-être pas ici. Oh là là, c'est beau. Non, franchement, c'est beau. Y a rien à dire. On devrait y arriver. On devrait trouver le bonheur. Ah, c'est vachement haut ici. Hein. Là, ça redescend. Ouais, si, mais ça va être là, les gars. Après, on peut accéder. Je pense qu'on peut y accéder en passant par là et tout. Hein. Par les marécages. Hein. Mais comme il y avait un endroit où il y avait besoin justement de ce pistolet à grappin, bah il faudrait qu'on y aille. Hein. Donc je le cherche, les amis. On le cherche ensemble. Et on finira bien par le trouver. C'est pas là. On finira bien par le trouver. Bon, on va faire le tour. Hein. Très clairement, à mon avis, on va faire le tour.
Mais si on fait le tour, on le trouvera. Hein. Obligé. En faisant le tour, on le trouvera. Bon, en tout cas, les amis, bah, j'espère encore que cette série vous plaît. Je fais que de le répéter, mais vraiment, cette série, elle est fantastique. Ah bah, regardez. Là, on est au tout début. C'est de là qu'on vient depuis le tout début. C'est-à-dire que là, on est, sans regarder les coordonnées, on est ici, là. On est là, voilà, on est là. On vient de là. C'est excellent. Ah, mais ça sert à rien que je fasse le tour ici, du coup. Parce que c'est forcément sur cette montagne-là. En fait, le truc, il est sur cette montagne-là, je comprends pas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou furieux. Bon. Bon, bon, bon. Voilà, j'ai juste envie de faire demi-tour dans le même sens, là, parce que ça sert à rien. Ouais, ils vont se calmer tous ces... Regardez, il y a un crocodile. Ah ouais. Enfin, c'est pas un crocodile, c'est un caïman. Ah, c'est peut-être ça qui m'avait... C'est peut-être ça qui m'avait poursuivi. Ah, donc j'ai bien fait de pas être serein avant. Alors, je mange. Ah non, mais les gars, moi, je suis désolé, mais je vais devoir faire demi-tour, hein. Je vous ferai une coupure. Je vais refaire tout en sens inverse. Je vous fais une coupure. Mais parce que c'est sûr. Hein. C'est sûr que c'est ça. Enfin, que c'est là, quoi. Donc, bah écoutez, les gars. Je vous dis à tout de suite. En espérant trouver ce putain d'endroit, quoi. Allez, à tout de suite. Non, mais les gars, c'est pas possible. Je me retrouve de nouveau devant ce truc-là. Mais je suis persuadé que c'était ici qu'il me demandait le pistolet à grappin. Là, franchement, je comprends pas. Je vous jure, hein. Parce que... Bah c'est le seul endroit quoi. Non pour moi c'était là qu'il voulait le pistolet à grappe hein. Ah mince par contre mes fruits sont pourris maintenant là. Dommage. Ouais c'est débile. Le pistolet à grappin je l'ai là, je peux pas l'utiliser comme ça, enfin ça se fait automatiquement. Et là il me propose pas. C'est bizarre hein. Franchement les gars, pour moi c'est là. Hein. Bah oui, et puis là le problème c'est que je suis de nouveau en train de me rejoindre à l'endroit d'où on vient juste avant. Donc pour accéder à l'aéroport. Et oui, là, il faut un grappin également. Mais c'est pas ça. En fait, je vous vois venir, les amis, je vais vous expliquer. Ah, attendez. Ici. Ce serait pas là? Ah non, putain, j'y ai cru maintenant. Ah, j'y ai cru. Oui, en fait, je vous vois venir. Je sais très bien ce que vous allez me dire. Après, ça se trouve, vous avez raison, mais je crois pas. Dans mes souvenirs, ça s'est pas passé comme ça. Mais du coup, ici, donc c'est là où on vient avant, donc avec la petite grotte sur le côté. Enfin, c'est en haut. Voilà, zone d'escalade, s'accrocher, grimper. Mais ça, je pouvais déjà le faire avant, en fait, parce que du coup, j'ai le grappin. Sauf qu'en fait, ce que j'ai récupéré à l'aéroport, justement, c'est pas le grappin, j'ai récupéré autre chose en plus de ça. C'est le... je sais pas si c'est un pistolet à grappin. En gros, voilà, ça, c'est le grappin traditionnel, je crois. Et ça, c'est le pistolet à grappin. Et ça, il m'était demandé, alors que j'avais déjà le grappin, mais il m'avait demandé ça ici, en fait, à quelque part là. Je ne sais pas où, mais à quelque part ici. Donc bah je cherche en fait. Donc en fait ouais c'est pas cet endroit là que je crois ou quoi. Mais attendez peut-être que c'est ici. Mais bon c'est bizarre un peu. Non c'est pas là. Non mais j'en suis persuadé hein, j'en démordrai pas, je continue. Non j'en suis persuadé, je comprends pas où c'est. Mais je le sais quoi. Oh merde putain, fais chier, je suis tombé. C'est pas grave. C'est pas grave les gars, regardez. Je vais vous montrer comment se soigner en plein dans la forêt amazonienne. Déjà pour ça, il faut de la moulinera. Ensuite, tu te fais des pansements. Et ensuite, c'est réglé. Voilà. Et là, vous êtes soigné. Si vous avez trop mal, vous prenez des antidouleurs que vous trouverez dans les camps. Puis voilà. Bah, vas-y, hein. Go longer encore par ici. Je viens de me bloquer. Je vais encore tomber. On va éviter. Non, non, mais... Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Bah là, je suis en train de finir le tour. Hein. Je suis de nouveau en train de... C'est bizarre. C'est bizarre, cette histoire. J'ai besoin que vous m'éclairez en commentaire. Hein. Même si j'ai peur que... Bah, j'ai peur que vous pensez que je suis fou et que ce que je pense, bah, c'est pas ça, mais... J'en suis persuadé, les gars. Bon, dans tous les cas, si on trouve pas dans le prochain épisode, eh bien on retournera dans les marécages. Et attendez. Là, mince, pardon, excusez-moi, j'ai bougé ma souris, c'était horrible. Là, il y a la petite grotte.
Et c'était là qu'on était, non? Alors attends, les sangsues par contre, n'est pas me déranger maintenant. Voilà. Là. Mais on était déjà là au moins ou pas? Ouais, oui, on était déjà là. Bien sûr, on était déjà là, je me rappelle. Parce qu'en fait, je me demande si c'est pas par là du coup. Ouais, donc cette grotte, on y vient. On avait déjà exploré cette grotte. Il y avait rien de fou d'ailleurs. Ouais, voilà. Ok. Ah bah ça va peut-être être là. C'est peut-être ici qu'on a besoin du pistolet à grappin, les gars. Oh, si c'est ça, je me sentirais con parce que... C'est pas comme ça que je voyais le truc. Mais visiblement non. C'est pas là. Et on va se retrouver à faire un tour complet. Hein. Là, les amis... On va se retrouver à faire un tour complet. Putain, mais en vrai, dans la vraie vie, des murs comme ça, tu les escalades. Hein. T'as pas besoin de grappin. Enfin, je sais pas. Je suis peut-être un petit peu trop... Bon, avec l'équipement qu'on a, en effet, c'est peut-être un peu compliqué. C'est assez ennuyant, cette histoire. C'est pas là hein. Bah les gars, on approche du tour complet je crois hein. On va de nouveau se retrouver là où on était il y a 10 minutes. Attendez, je vais où là? What? Ok, un petit renfoncement. Ouais, mais c'est dans ce genre d'endroit qu'il avait demandé. Attendez. Là, je vais me concentrer à fond parce que ça se peut, c'est ici. Il y a moyen. Là. Non. Pas là. Eh ben, moi, pas tout comprendre, hein, les gars. Moi, pas tout comprendre. On a fait le tour complet, je crois. Je crois que là, on a fait le tour complet. En effet, ah bah je commence à bien connaître cet endroit. Hein. Attendez. C'est pas là. Hein. Ah, je suis désolé de vous proposer cet épisode comme ça. Ça fait partie de l'aventure. Au moins, voilà, comme dit, hein, vous n'en ratez pas une miette. Vous êtes avec moi eh bien de la même façon. Et on est où là? Ouais, on a fait le tour complet. Et là, c'est là où il y a le pont. Le pont qui est cassé, je m'en rappelle. Bon, j'ai une bonne mémoire quand même, malgré tout. Hein. Là, normalement, il y a le pont cassé. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a un commentaire qui m'avait fait rire parce que j'avais dit que ça donnait envie de sauter ici. Mais c'était surtout dans le sens bah, que genre j'ai juste envie d'abandonner et de sauter, de mourir. Tu sais, dans la vraie vie, ce serait comme ça, en fait. Hein. Bon. Bref, donc là, on a fait tout le tour, les amis. C'est très décevant. Oh non. Merde, saute pas, connard. Il y a des indigènes juste là. Je suis même pas en zone safe. Oh les gars, je suis pas bien. À tout moment, ils peuvent aller sur l'île du milieu. À tout moment, quand on dort sur l'île au milieu, ils peuvent venir. Énorme. Énorme. Bon. Je termine un petit peu le tour. Puisque dans tous les cas, voilà. Hein. Pas là qu'il y a besoin de grappin. Putain, c'est un truc de fou. Ah, je suis vachement triste, les gars, quand même. Hein. Quand même vachement triste. Ouais, puis il faut vraiment que je sois vigilant tout le temps, quoi. On sait vraiment pas que là on croiserait des indigènes pour le coup. Ah, c'est peut-être là? Non. Bon, là on est complètement à l'opposé de là où je voulais aller. Hein.
En fait là je suis complètement perdu d'ailleurs, je comprends pas où je suis. Ah ça c'est super ça. Voilà. Parfait. J'arrive pas à comprendre où on est. Je sais qu'on était déjà... Ah oui oui si si si. On était déjà là. On va éviter de tomber. Ah ouais c'était chiant ça à chaque fois. Enfin l'autre fois on était déjà passé par là. Alors là je peux descendre sans trop de problème. Voilà. Voilà. Là il y a un petit cours d'eau tout mignon. C'est quoi, on va le suivre, on l'a jamais fait ça. On va suivre le cours d'eau. Ah oui c'est un trou non? Ouais c'est ça. Et en vrai ce serait grave intéressant d'y aller, mais on pourra jamais ressortir et on va mourir. Enfin, en vrai je pense qu'on pourrait ressortir hein, par un autre accès, mais je sais pas trop. On est en quoi là? 37-24. 37 ici. 24 là. Ouais je sais pas hein. Je sais pas vraiment si on pourrait ressortir quelque part hein. Je sais pas ce que vous en pensez les amis hein. Si vous voulez qu'on tente ça une fois, mais faut me le dire. Faut me le dire en commentaire les gars, si vous voulez que j'essaye ça un jour. Si vous pensez que c'est risqué ou pas. Mince. Bon. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Bah j'ai envie de retourner à l'aéroport forcément. Puisque du coup dans le prochain épisode on ira de nouveau dans les marécages. Attends mais si les indigènes ils sont sur l'île là. Ok. Ok, ça les amis, ce truc là, voilà, c'est ce qui m'a poursuivi en off. Voilà. Donc c'était bien un caïman. Ok. Bon par contre là je vais vers les indigènes je crois. Hein. Si les indigènes ils sont sur l'île. Je suis mort. J'ai trop peur les gars. Genre les gars ici c'est pas safe en fait. Bon. Après faudra que je parte par là-bas. Hein. Bon je vais sauvegarder. Voilà. Donc en fait voilà, donc dans le prochain épisode, faut qu'on retourne ici et on essaiera de longer là, vous savez quoi. On longera ici et on regarde si on peut monter pour aller là, un peu explorer toute cette zone. Parce que finalement tout ça on connaît, à peu près. Là, on connaît pas, faudra aller voir. Mais comme là il y avait des indigènes, j'ai eu un peu peur, il faudra qu'on aille voir là. En fait tout ce qu'on voit là c'est des montagnes, on peut pas y aller tout ça là. Tout ça là, tout ce que je mets avec ma souris, on peut pas y aller je crois. Ça non plus. Visiblement. Du coup tout ça on connaît, ça on connaît, ça on connaît, et ça on connaît pas, et ça non plus. Donc c'est ce qu'il faudra explorer ça là dans le prochain épisode. On va faire ça les amis, d'accord? Bref. Bah, j'espère que cet épisode vous a plu. Oh il était long. Oh il était long et il m'a fait peur. Hein. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et vous savez ce que je ferai? J'ai sauvegardé mais c'est pas grave. Je reprendrai la sauvegarde ici. Alors vous allez dire ouais t'as pas avancé machin et tout, c'est nul, c'est comme si cet épisode servait à rien. Oui mais non, puisque du coup on a pu faire le tour pour trouver l'endroit. Bon on l'a pas trouvé mais c'est bizarre. Là par contre faudra m'éclairer en commentaire, je comprends pas trop. Bref, pouce bleu sur cet épisode si vous a plu. Et puis on se retrouve très vite pour le prochain. C'était Mkolo, des bisous à tous. Ciao ciao tout le monde.